Hello everyone and welcome back for a new French lesson. Today we are going to talk about the differences between tellement, tant and si. They all mean so, so much, but you can't just use either in all situations. So we are going to see everything about that, but don't forget to get your free PDF of this lesson to keep and review whenever you need to. So let's see how to use them. Tellement, ton and si are used to express intensity. They can't all be used in the same sentence structure. We'll see. Sometimes you can only use si et tellement. Sometimes you can only use tellement and temps. It depends. So let's see. The first one we are going to have is with an adjective followed by que. In this case, before that, we are going to have either si or tellement. Let's see a couple of examples. Il est si fatigué qu'il s'endort dans le canapé. Il est si fatigué qu'il s'endort dans le canapé. Il est tellement fatigué qu'il s'endort dans le canapé. Il est tellement fatigué qu'il s'endort dans le canapé. Both work. Both work, both are fine. Uh, none of them are more formal than the other. It's just a different choice of words. Simply. C'est another one. Elle est si heureuse qu'elle ne peut pas arrêter de sourire. Elle est si heureuse qu'elle ne peut pas arrêter de sourire. Elle est tellement heureuse qu'elle ne peut pas arrêter de sourire. Elle est tellement heureuse qu'elle ne peut pas arrêter de sourire. Okay, so that's for an adjective, but we can also have the same thing with an adverb. In this case, it's still going to be si et tellement. Let's see. Les enfants jouent si calmement que je ne les entends pas. Les enfants jouent si calmement que je ne les entends pas. I had to use longer sentences for this lesson, so I hope, I hope it works for you. I hope it's not too hard. Les enfants jouent tellement calmement que je ne les entends pas. Les enfants jouent tellement calmement que je ne les entends pas. Another example. Elle court si vite qu'elle gagne toujours la course. Elle court si vite qu'elle gagne toujours la course. Elle court tellement vite qu'elle gagne toujours la course. Elle court tellement vite qu'elle gagne toujours la course. Same meaning, same type of sentences. Exactly the same thing, different type of words. Now we have a slightly different structure because we don't have an adjective or an adverb. We simply have que. So in this case, we are going to use tellement or tant. But it's exactly the same thing once again. Il dort tellement que nous sommes souvent en retard. Il dort tellement que nous sommes souvent en retard. Il dort tant que nous sommes souvent en retard. Il dort tant que nous sommes souvent en retard. Actually, I will say that tant is slightly more formal here. I would personally never use it just in spoken French. Just casual, I would probably not use tant. I would definitely use tellement in this case. Another example. Elle chante tellement qu'elle perd sa voix. Elle chante tellement qu'elle perd sa voix. Elle chante tant qu'elle perd sa voix. Elle chante tant qu'elle perd, qu perd sa voix. Another sentence structure, the last one actually, in this case it's also going to be tellement et tant, but this time we are going to have de plus noun plus que plus or, or de no, plus que, ou de, it can be both, depending on the type of structure that uh, you want. So let's see. J'ai tellement de chance d'être votre professeur de français. J'ai tellement de chance d'être votre professeur de français. J'ai tant de chance d'être votre professeur de français. J'ai tant de chance d'être votre professeur de français. Nous avons tellement d'options que c'est difficile de décider. Nous avons tellement d'options que c'est difficile de décider. Nous avons tant d'options que c'est difficile de décider. Nous avons tant d'options que c'est difficile de décider. So that was for very specific sentence structure, but they can also be used on their own, especially in um, exclamation. So if you want to say, "I have so much of it," j'en ai tellement, j'en ai tellement. Uh, he talks so much. <laughs> Il parle tellement, 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 tellement. Il parle tellement. le gâteau sent si bon. le gâteau sent si bon. Here we can say, le gâteau sent tellement bon. le gâteau sent tellement bon. il fait si chaud aujourd'hui. il fait si chaud aujourd'hui. il fait tellement chaud aujourd'hui. il fait tellement chaud aujourd'hui. De tellement de chance. J'ai tellement de chance. J'ai tant de chance. Work as well, but more formal, you know, more like, yeah, I would say literature type of material. <laughs> J'ai tant de chance, but you can say more. J'ai tellement de chance. That's it for tellement tant and see. It's all about sentence structure, so it might take a while for you to use them correctly, but with practice, I'm sure you will get them no worries at all. Next week, I have a test for you. I have a French listening test for you, which I'm very excited about. I haven't done a test in a long time, so I will see you next week for a listening test. A mercredi prochain.